Bonsoir à toutes et bienvenue dans votre émission de musique locale Couleur Pays, une émission que vous retrouvez chaque semaine pour vous parler de l'actualité musicale dans notre département. Une actualité qui est marquée par des spectacles, des productions de disques. Et ce soir, je vous propose de parler d'une création originale qui va rendre hommage à un artiste qui est décédé il y a 25 ans. Cet artiste, c'est Luc Donat. Et celui que nous recevons ce soir dans notre émission de musique locale Couleur Pays n'est rien d'autre que son fils Patrick Donat, pour nous parler d'une création qu'il va réaliser avec pas moins d'une bonne dizaine d'artistes, musiciens, chanteurs, pour rendre hommage à Luc Donat. Et en plus, cela se passera au Caloubanque. Ce soir, dans votre émission de musique locale, je vous propose d'accueillir Patrick Donat. Couleur Pays avec Eric. La création autour de Luc Donat sera faite prochainement. Premier concert au Caloubanque. Patrick Donat, bonsoir et très heureux de t'accueillir bonsoir. Au micro de Couleur Eric. Pays. Très heureux de t'accueillir. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, qui est un sujet autour de ton père, Luc Donat, qui est un oui. musicien qui fait partie de la mémoire collective, on va en parler assez longuement ce soir. Toi, tu es aussi musicien, oui. sans doute moins au devant de la scène, parce que tu es plus dans la production. Oui, je me suis retiré un petit peu dans le temps, mais ceci dit, j'ai joué un peu plus d'une dizaine d'années à Paris aussi, donc on a fait... un bon travail aussi bien dans les coulisses que des fois sur l'avant-scène aussi, voilà. C'est ça, c'est une autre manière d'être sur les scènes à La Réunion ou ailleurs. C'est une manière d'être présent, mais moins au-devant. C'est aussi un tempérament d'être constamment à porter des projets comme ça. C'est un tempérament, et puis on a toujours aimé le métier. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se transmet aussi. C'est une famille, les musiciens. En fait, quand on se rend compte... quand j'étais jeune, une anecdote, je remplaçais par exemple le batteur à Michel Legrand, François Lézot, et je ne savais même pas qui c'était le batteur, parce que le soir on me laissait le pape sur le temps basse, on disait demain tu remplaces François, et je ne savais pas qui c'était François. Et après, des années après, je me suis rendu compte, ah j'ai dit tiens c'est le batteur à Michel Legrand. C'est drôle. Oui, c'est l'art de vivre les choses, et quand on les vit, voilà. Bon, on fréquente, on rencontre des gens souvent très importants, mais on les a côtoyés dans la musique ou ailleurs parce que la circonstance était ainsi. Toi, tu as fait quand même 10 ans de musique à Paris, beaucoup de musique ici également à La Réunion. Oui, bien sûr. Grâce à La Réunion d'ailleurs. Oui. Parce que le plus de, chez à La Réunion ou à Maurice, à l'époque, je me souviens, je jouais avec les musiciens des Blue Stars à Maurice, mais à Paris. On faisait de la variété ou autre chose, ou là où on voulait bien de nous. On avait cette petite accentuation qui est ternaire chez nous, qui donnait le petit plus qu'on aimait bien en métropole, qu'on aime toujours certainement. Mais le métier a évolué, a changé. Très bien. Alors, Patrick Donat, si tu es venu au micro de Couleur Pays aujourd'hui, c'est pour parler également de cette création. Et des hommages à Luc Donat, il y en a eu. L'occasion était quand même ce 25e anniversaire de la disparition de Luc Donat. C'est quand même pas rien. C'est un quart de siècle déjà. Pour certains, quand on le dit, ça n'a pas l'air de... D'être aussi loin, voilà, c'est ça. Ça paraît hier parce qu'il est toujours présent finalement. C'est vrai, c'est un personnage. Moi aussi, quand je pense à Alain Peters, que j'ai bien connu, si je peux faire des parallèles... Alain, je suis sûr que ça deviendra une star internationale un jour, et il reviendra sur la scène, au devant de la scène, alors qu'il est décédé depuis un certain nombre d'années. Maintenant, Luc, ça fait un peu ce même effet, parce que tous les ans, il y a une fidélité sur... Et puis, il a créé beaucoup, il a écrit beaucoup de chansons. Entre l'hommage qu'on va faire ensemble grâce à Eric Hassani et Hospital, Johnny. Donc, il y a un thème, par exemple, qui s'appelle Maman Jolie, qui était fait dans les années 60-65, où on parle de la grand-mère Lucie Léonore, qui est née au port de quelques générations de familles portoises, par exemple. En tout cas, c'est vrai qu'il a l'air toujours présent, Luc Donat, parce que ses chansons sont dans la mémoire collective de La Réunion aujourd'hui pour beaucoup. Que ce soit blanche et noire ou autre. Hein. Oui. Mais finalement, la jeune génération, on n'a pas toujours l'impression qu'elle arrive à mettre un nom sur des chansons qu'elle a peut-être fredonnées, chantées, ou qu'elle a entendues de ses parents, ou même peut-être interprétées à l'école au cours d'une kermesse. Et le nom de Patrick Donat ne lui vient pas forcément à l'esprit. C'est ça aussi le patrimoine.
Oui, mais en même temps, je pense qu'on va à l'essentiel aussi. Alors, moi, je sais que j'ai été drivé dans ma jeunesse pour arriver à cette liberté de conscience aujourd'hui, de pouvoir faire ce que j'aime le plus. La musique, la communication, tout ce qui concerne la musique et son environnement. Et donc, il y aura certainement, de toute manière, une relève qui va s'instituer au fil du temps dans les différentes, les différents instruments, les différentes compos, dans le langage, dans le verbe, dans l'histoire créole en général, quoi. En fait, tu restes confiant au cycle du temps et de la vie qui va faire que les choses vont se faire. Oui, c'est un très beau pays. Moi, j'ai la chance de voyager beaucoup. Et à chaque fois, je suis content de rentrer quand même. Ça, c'est un fait. Ouais. Très bien. On va parler dans la deuxième partie de notre émission de cette création à proprement parler avec les intervenants. Où est-ce que ça va être diffusé? Dans l'immédiat, je vous propose de retrouver un document un peu exclusif puisque, bon, même s'il est également sur le net, c'est... une session d'enregistrement où on retrouve des personnages clés de la musique de La Réunion. Patrick Donat, bien sûr, mais également Alain Peters, René Lacaille. Regardez, écoutez, on en reparle juste après dans votre émission Couleur Pays.